Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors une prouesse bûcheron, ce n'est pas du tout casser des arbres avec votre voiture. Ça ne fonctionne pas. Il faut casser un tas de bois au sol ou une souche au sol. Et ça fera la prouesse bûcheron. Je vais vous montrer. Alors si vous roulez à travers la forêt et que vous cassez des arbres et qu'en même temps vous touchez une branche par terre, ça fera bûcheron. Mais le but c'est de toucher une branche par terre. Donc on va chercher ici une branche par terre pour vous montrer. Il y en a une là, tout droit, ici. Vous voyez le tas de bois là-bas? Je vais approcher pour que vous voyez. Vous voyez le tas de bois ici, là? Eh bien, si vous renversez ce tas de bois, ces souches, ça fera bûcheron. Mais il faut aller assez vite pour briser l'objet. Donc on va reculer et on va foncer tout droit dessus. Et on va faire la prouesse bûcheron. Regardez, je fonce. Et blam, je la touche. Et voilà, j'ai la prouesse bûcheron. Ça va pas tarder à paraître bûcheron. Voilà. Pareil ici, hein. Je peux vous le montrer en cassant simplement des arbres. Vous verrez que ça ne le fait pas. Je casse un arbre, ça ne le fait pas. Je casse un arbre, ça ne le fait pas. Vous n'aurez jamais bûcheron en cassant un arbre. Vous l'aurez si vous touchez un tas de bois. Il y a un tas de bois ici par terre, je viens de le voir. Ici, là, vous voyez, il y a de nouveau un tas de bois là. Eh bien, je vais vous remontrer une deuxième fois. Ce sera la dernière fois que je vous montre. Et on va taper le tas de bois assez vite. Et vous aurez bûcheron. C'est parti. Je tape le tas de bois et je freine après. Et bim, voilà, j'ai fait carambolage sur le tas de bois. J'ai eu bûcheron. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.